Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universalis 4 avec donc l'Angleterre, là ouais c'est ça. Enfin non, avec le Northland en guerre contre l'Angleterre. Hop. Que je vais réussir à fuir avec mon armée. Trier ça là-bas. En Auvergne. Moi je suis l'Auvergne directement. On prend notre flotte, on rapatrie là-bas. Perdu 4000 hommes. Donc, 2, 3, 1, cavalier 4. On va faire comme l'autre, on va traverser là. En fait, autre sommaire, non, on va aller en Cornouailles, c'est moins loin. Hop. L'armée, on a quoi? 18 sur 18, c'est parfait. Donc, moi, c'est marrant. Missionnaire, la stabilité. Voilà, la fin de l'Angleterre. Ouais, petit jonton. Et maintenant, on va piller. 2, c'est 6000 hommes. Ça, non. Pas de billets. Est-ce que je pourrais prendre tout ça? Ouais. Thune. Bien ça, quoi. Des merdes avec la France. Je t'humilie. Défoncé, je vais te faire la totale. Ouais, on va faire ça comme ça. L'Angleterre, ça va être que ça, ça va être mignon. Ah bah.
Oh là là, le siège qui est trop long. Je crois le voilà, ça coûtera 205 points administratifs pour corriger tout ça. Pas mal cette petite fonction. On va ajouter là on le raquette hein, quand même. Là en fait on va sortir l'onglet de l'équation. Ah est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un corps à... On va aller se défoncer les cosses après, c'est la prochaine étape. Bien ça. Très bien ça. Très très bien. Pourquoi très très bien? Parce qu'en fait je vais faire libérer des... Libérer les bouseux. Ça prend ça moi la cornouille. Bah, on va les partir dans les bestiaux. Les missionnaires, c'est des fous quoi. Les mecs, ils missionnarisent tout comme des sauvages. Oh, ça pop dans tous les sens. Qu'à faire. On va tirer encore noir. Le siège de labour est terminé, très bien. Par son guerre, toutes ces thunes. Atteint l'ambition. On va les rapatrier. En Normandie. Non, en Armor. Armor. Ok. Non. Comment dire, tu veux t'allier à quoi, mais je crois que ça sera pas possible. Maintenant, il faudra 25 mois. Est-ce que. 25 mois, on va. Lunshire, ça nous. Deux autres. Bah, hop, hop, on va corriger tout ça. Je sais, mais. Non, au fond, okay, mais bon, ok. Rival, je mets la Bourgogne. Mon navire est bientôt prêt. 30 jours. Ouais, voilà. Ce missionnaire, on ne l'a plus. Tiens. Angleterre, on va révoquer l'embargo. On va issuer l'embargo sur la Bourgogne. La France. Batalie, espèce de tête de bite. Est-ce que la Northumbrie voudrait. Tu veux toujours pas être mon vassal? Non, bon, pas grave. Les envoyer là-bas, ils passent par la mer. Ici.
Ah oui. Donc là, peut-être augmenter un peu l'autonomie, sinon ils vont un peu me péter à la gueule, les trois là. Ensuite, ouais. Semble tout ça. Les Derbyshire. On se milite moitié à Derby, moitié à Norfolk. Faute de transport, on ramène à Londres. Voyons, si je déclarais. L'Écosse est en guerre avec. C'est en guerre avec. Ouais. Si je déclarais la guerre. Je regarde un peu vite fait les forces de. Même sur avec qui est-il allé. Avec l'Écosse. L'Écosse. Regardez vite fait les armées. Ah oui, je veux dire, c'est quoi ces armées de merde. Suis-moi. Souhait. Je suis là. Écosse. 13 000. Leinster. Bord alphabétique. Leinster, il en a 6 000. Donc ça fait 19 000. Ensuite, la flotte. J'ai 19 lightships. Scotland. Que dalle. Leinster. En fait, ce que je vais faire, je vais déclarer la guerre au Leinster. Fabrication de Clem. Shire. Tout ramener là-bas. Si. Je vais faire un truc quand même. Jamais. Hop, hop. Hop, alors que je regarde un truc. Non, pas là. La diplomatie déclare la guerre. Northumberland ne me rejoint pas. Ah, mais j'ai une trousse avec eux. Ah, parce que déclarer la guerre à l'Écosse, là, honnêtement, c'est suicidaire. Et je leur fais libérer le pays de Galles. Voilà, mission restreinte. Ouais, 3%. Là, on prend direct. On va commencer à se gaver. En voyant. Voilà, on va convertir à vitesse de la lumière maintenant. Ça va être pas mal ça. J'ai mon roi. 45 ans. Lincolnshire to North, ben je prends. Non, on va perdre un peu de pourri par contre les temples. 0,15 c'est le minimum syndical. On va commencer à faire là. Les revenus, je suis bien. Les risques de révolte, il n'y a plus lieu que les îlots catholiques. Cher, on va les envoyer là-bas. En fait, ils veulent pas être convertis, les mecs, je sais pas pourquoi. Ma truc avec le Leinster, c'est jusqu'à quand? 2470. Est-ce que je regarde un truc? Leinster. Leinster 7000 hommes maximum. Et l'Écosse 19000. 26000 hommes maximum. Ma merde, il peut avoir plus de mecs que moi les Écossais théoriquement. Ma flotte de commerce. Qui est là? La rapatrie, je la mets ici. Merde, j'ai plus de points.
Je suis au taquet en diplomatique. D'autres technologies. Est-ce que ça c'est quoi déjà? C'est l'administratif, non? Donc on a ça, on va faire. Bon, on va développer une province. Hein. Development. Cher, non, c'est de la merde. Là, ce qui va se passer, la base stable du rebelle, c'est parfait. Ma flotte est placée. Ben, honnêtement, ce qu'on va faire, non. Là, le Leinster, on déclare la guerre. L'Écosse vient et on va aller s'occuper de défoncer l'Écosse. Là, ce qu'on fait, on récupère toute l'armée. Sumberland leur demander le droit de passage, enfin le droit de cuissage comme dirait l'autre. On a rasé la moitié de leur flotte, très bien. Là on va prendre soin à quel niveau ils sont bien, on bloque le passage, c'est très bien ça. On va les laisser passer. Si. Donc là, ce qu'on va faire, quand c'est comme ça, on laisse 1000 hommes, on prend le reste qu'on envoie là. Et on stack whip. Là, tout le monde, il est content. Là-bas, non. Après, limite, ce que je vais faire, là. Prendre ma flotte de transport, je vais emmener là-bas. Très bien, mission terminée, hop. Castille, très bien ça. J'ai du point de midi. Ouf, on va développer. Et l'autonomie. Territoire, c'est du marais. On va peut-être avoir un malus, mais bon. Ouais, on leur met cher. C'est beau ça. Voilà, là on leur met bien cher aux Écossais. Oh, la moulasse là, il pleure. Non, c'est quoi? Et on va. J'ai 5000 hommes. Ah. Ici, on prend. Ça, pour aller capturer Erkshire. Ok, et.